tombé à pic. Ces types ont pas froid aux yeux. Et ils sont un peu trop nombreux. Tous les fous de la gâchette se sont donné rendez-vous à cette baie d'amarrage. Les ravisseurs menacent d'exécuter le professeur Tarnis. Mais c'est peut-être du bluff. On sait même pas s'il est avec eux. Tu crois qu'ils vont finir par se rendre ? J'ai tenté de négocier avec leur chef. Il m'a tiré dessus. Pas sympa. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est simple. On fonce dans le tas avec nos armes, et puis on avise. Ok, donnez-moi le temps de me tracer une cible sur le front. J'ai emprunté un générateur de champs furtifs dans le bureau de l'agent Gallon. Ça me rend pratiquement invisible. Je m'introduirai en premier, et quand vous attaquerez, je prendrai quelques bandits par surprise. Ça vous convient ? Ça me convient parfaitement. Génial. Attention, on me voit, on me voit plus. Je me mets en position et j'attends votre signal. Allons sauver un professeur en détresse. Je vous tuerai tous, un jour. Il a bousillé mon générateur de champs furtifs. Bon, après tout, je me serais bien amusée avec. C'est pas chouette de travailler en équipe. Tu t'es comportée comme un vrai Jedi, Kira. Attendez, il faut que je prenne un holo. Je veux que Maître Kiwix entende ça. Le professeur Tarnis n'est pas là ? Il n'y a pas à dire, je suis déçue. On a servi d'appât. Vous reverrez plus jamais votre cher professeur. Ah, vraiment. Laissez-moi un instant avec ce type. Je vais le faire parler. Vas-y, ça me donnera une occasion de m'amuser. Merci pour vos encouragements. À vrai dire, pas besoin de le faire parler. Je peux me contenter de lire ses pensées. Quoi ? Arrêtez ça ! Sortez de ma tête ! Dehors ! Le professeur est au QG du Soleil Noir. Il est avec Salar. Laissez-moi tranquille. Les gangsters de bas étage gobent tout. Je sais pas lire dans les pensées, abruti. Vous m'avez menti ! Joli, Kira. Bon travail. Le Soleil Noir est un immense syndicat du crime. Je sais pas pourquoi ils veulent Tarnis, mais il faut se dépêcher de le sauver. Je vais m'occuper de nettoyer tout ça avec l'équipe de sécurité. Il vaudrait mieux prévenir l'agent Gallon.